Ceux qui ont écouté la partie de hockey dimanche dernier entre les Jets et les Predators de Nashville ont sûrement remarqué qu'il y a des gens qui lancent des poissons-chats sur la patinoire. Ben, il y a une petite fille de 9 ans qui n'aime pas ça. Et puis, pour le faire savoir, elle a écrit une lettre aux dirigeants des Predators de Nashville pour leur dire d'arrêter de faire ça. Je l'ai avec moi, Ariette Bélanger. Bonjour. Bonjour. Aimes-tu le hockey? Un peu. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu un poisson sur cette patinoire? Je suis tellement triste parce qu'il a une vie aussi. Quand tu as vu ce poisson-là, qu'est-ce que tu as voulu faire? Stomp sur les personnes qui ont fait ça. OK. J'ai vu que tu avais écrit une lettre au propriétaire des Predators de Nashville pour leur demander quoi? J'ai juste dit, est-ce que tu peux arrêter de lancer les poissons de chat sur la glace? Est-ce qu'ils t'ont répondu? Non. T'as pas eu de réponse? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une réponse? Je sais pas. Il y a beaucoup d'autres réponses de les autres personnes, là. Bien, c'est ça, parce que là, c'est dans Facebook. Tu as écrit la lettre, puis ta mère l'a mis dans Facebook. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui ont répondu, qui ont partagé. C'est comme, c'est devenu viral, en fait. Qu'est-ce que les gens disaient? Ils disent « Good job, Harriet! » Est-ce que tu t'inquiètes pour ce poisson-là, pour ces poissons-là? Bon, j'aime pas ces poissons, mais il a encore une vie. Tu me disais, ce qui t'a dérangé beaucoup, c'est qu'il y en avait qui étaient encore vivants, c'est ça? Comment t'as su qu'il était encore vivant? Comment est-ce que je sais qu'il est encore vivant? Que le poisson est encore vivant, comment tu savais ça? Parce qu'il comme, bouge et il respire. Est-ce que tu penses que ta lettre va changer quelque chose? Peut-être. Qu'est-ce que tu penses qui devrait arriver aux gens qui lance des poissons sur la patinoire? Well, pas bien, parce que peut-être qu'il va pas, learn sa lesson. Peut-être qu'on devrait leur faire manger le poisson. Non? Oui. Il doit juste kill it, il doit manger.